Ingrid, and welcome back to my channel. So I have new packing guests. New guests with me. New guests in my channel today. They're going to introduce themselves. Hello, bonjour, moi c'est Dalia. Coucou, moi je suis Tiffany. Donc aujourd'hui c'est notre épisode, c'est un autre épisode de Life Talk et aujourd'hui on va parler du féminisme et des femmes indépendantes donc dans la société avec le mari et en général quoi. Donc on va commencer par Dalia. Désolée. Alors je sais pas qu'est-ce que j'en pense. Moi déjà je suis pour les femmes indépendantes, mais je pars du principe que quand on entend indépendance, j'ai l'impression que tout le monde entend que quand tu es une femme indépendante, ça veut dire que tu veux rester célibataire, tu veux pas avoir d'homme, que tu dois absolument être seule. Non, 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 tu peux être indépendante et avoir ton chéri à côté, c'est deux choses totalement différentes. Indépendante c'est que tu te supportes toi-même, mais tu as toujours besoin de ton gars, quand on n'a pas dit non, mais ce qui veut dire qu'avec ou sans lui tu avances, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est même drôle qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ce matin, par exemple, j'étais à la couturière pour arranger mon jean et un gars rentre, il me voit avec mon iPhone et il dit ma chérie, c'est ton mari, c'est ton copain qui t'a payé ça. Ah ouais. J'ai dit attends. Et donc moi, tu me vois comme ça, je peux pas marcher ça. Il me dit non. La mentalité camerounaise comme ça, j'étais choquée. J'ai dit attends, tu sais qui je suis, tu me connais donc pour savoir ce que je fais dans la vie. Je lui ai dit, après il me dit tu manques là-bas, ton gars qui t'a payé ça, tu l'as d'abord donné quoi? Ah le gars il accepte pas quoi. J'ai fait donc sans le gars, on peut pas s'en... En gros ça veut dire que c'est la mentalité camerounaise, c'est quoi? Ça veut dire qu'on peut pas s'en sortir si on a pas un gars, c'est ça? Donc dès que t'es bien, c'est absolument le gars qui t'a mis comme ça en fait. Donc les cheveux là, c'est le gars qui t'a donné la bille là, tout ça, le téléphone. C'est quand même drôle si tu as fait. Pour moi, je prends le principe que moi je suis pour une femme en général, vous le savez, j'ai écrit tous les jours sur mon snap, une femme d'être indépendante, mais aussi elle doit connaître sa place de femme dans le couple. Dans la société, exactement. Surtout dans le couple, dans son couple avec son chéri, parce que certaines femmes, quand elles ont beaucoup d'argent, elles ont beaucoup fréquenté, elles sont intelligentes, elles ont tous ces trucs-là, elles sont parfois arrogantes. Elles se sentent supérieures. Tu peux avoir ton argent, avoir plus que ton gars, mais quand ton gars dit ok, on sort, je paye, laisse-le payer. C'est ça. Quand on garde à la maison, même si vous faites 50-50 dans les factures, s'il parle, c'est long quoi. Tu écoutes ce qu'il dit, tu vois. Donc être indépendant, mais ne pas être arrogante. Et comme je disais, c'est vrai de nos jours, quand tu es jeune fille, tu t'en sors toute seule ou bien tu arrives à faire quelque chose de bien. Soit c'est ton gars, soit tu vends le piment. C'est ça. Soit c'est le tout à l'heure, ça peut pas venir de toi en fait. Pour elle, c'est impossible que tu t'en sortes. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça. Je trouve ça dommage. Et toi, Tiffany, tu en penses quoi? En fait, vous avez vraiment tout dit. C'est, pour moi, l'indépendance chez une femme, c'est important. C'est un must pour moi. Mm-hmm. Parce qu'il y a différentes situations, que ce soit en tant que couple, qu'on soit dans un groupe. C'est que tu dois toujours avoir un plan B. Ouais. C'est-à-dire, demain, on ne sait pas ce que va être demain. Mm-hmm. Que tu aies fait 10 ans avec ton mari ou pas, tu vas toujours avoir une sécurité. Soit pour tes enfants, pour toi, peu importe. Maintenant, comme Ingrid le disait, il faut savoir sa place dans un couple aussi, c'est très important. Ouais. Et parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes gonflent, on le voit aussi, c'est beaucoup la mode. Aujourd'hui, tout le monde se proclame indépendante, c'est devenu une mode. Boss lady. Mais je pense que les gens n'ont pas conscience de vraiment ce que ça veut dire indépendant. Pardon. Indépendant, pour moi, c'est le terme où tu sais qu'une femme, elle cherche son argent à sa manière, peu importe la manière dont elle cherche ça. Et que. Elle se lève en fait, elle peut rentrer l'argent et elle n'a besoin de l'aide de personne pour pouvoir accomplir ce qu'elle a, ce qu'elle désire en fait. Maintenant, chacun a sa signification d'indépendance. Aussi, je pense aussi que les hommes aussi parfois ils ont peur des femmes indépendantes, tu vois. Je suis beaucoup, je suis sur la page Warman. Le Warman, dédicace à toi. Tout parfois quand je lis les histoires des gens, surtout, c'est un problème très me parler en Europe, tu vois un peu. Déjà que ils disent beaucoup que quand les femmes africaines arrivent en Europe, elles se programment féministes, c'est devenu on parle fort, on pense au mari, tu vois un peu.
c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peu importe, même si tu fais 50-50 avec ton gars, tu dois savoir ta place de femme, tu vois un peu. C'est pas tout dire que, ok, comme je suis indépendante, comme j'ai mon argent, je peux parler mal. Aussi, vous les hommes, quand vous voyez une femme qui est capable de travailler, elle a son travail, c'est tout, rien, hein, il ne faut pas venir tout dire que, ok, comme je t'épouse là, tout ça, me vend. Voilà, c'est ça le problème, en fait. Tu peux me trouver. Ça dépend aussi de la mentalité de chaque homme. Moi, je parle plus en tant que mon vécu. Mm-hmm. Quand j'étais en Belgique, j'ai rencontré des hommes comme tout le monde, soit de différents âges, mm-hmm. un peu plus âgés, peut-être le même âge que moi. Et j'avais toujours ce problème-là de... Pourtant, c'est des gens, par exemple, qui avaient leur vie et tout ça. Mm-hmm. Mais en fait, quand ils voient que la femme est trop indépendante, comme tu dis, de, mm-hmm. que tu... J'aime l'argent, je cherche l'argent de manière, je faisais plusieurs jobs, je faisais un truc de make-up, j'arrive par-ci, j'ai en train de monter ma chose. En fait, dès qu'ils voient que tu n'as pas besoin d'eux, ça devient un complexe en fait. Voilà. Et je pense que si une femme subit ce problème-là, qu'elle remarque ça, je pense qu'il faut juste faire semblant. Faire semblant d'avoir besoin de l'homme. Oui, 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 c'est vrai. Tu dis pour donner les deux en fait. C'est ça en fait, parce que c'est même vrai, même si on sait que les femmes, il y a des femmes qui sont capables de faire tout toutes seules. Par exemple, Ingrid vit toute seule. Donc bon, elle a ses parents à 2000, mais elle vit toute seule, ça veut dire la moitié de ce qu'elle fait chez elle, c'est toute seule. Mmh. Moi, je vis toute seule, donc je fais tout toute seule, je n'ai pas besoin de personne. Mais si j'ai un chéri demain, même pour ouvrir le pot de confiture, même si je sais que je peux y arriver, voilà, ouais, ils aiment sentir qu'ils ont le pouvoir, on sait que tu sais faire ça, mais donne-lui, ça te coûte quoi, chérie? En fait, c'est une question de tradition. C'est l'humilité, c'est très important. Tu dois l'avoir. On ne dit pas que tu dois faire semblant que, oui, tu fais comme si tu avais trop sans lui, tu n'arrivais pas. Non, mais il y a certaines tâches que laisse-lui faire. On sait que tu sais faire. Hein. Mm-hmm. Laisse quand même. Parce que chacun a sa place dans le couple. Ouais. La mort est gâtée. Tu sais faire, non, copine, laisse, il va faire. Ouais, c'est ça. En fait, si tu ne lui donnes pas de l'espace dans le couple, il va se dire, mais attends, je lui sers à quoi? Un homme a besoin de sentir qu'il sert à quelque chose. Ah ouais. Sinon. Et c'est aussi ça aussi. Je vois beaucoup de gars aussi sur Instagram, ils mettent. Toutes ces filles qu'on appelle boss lady, qui se programme boss lady là, elle doit se préparer, elle pas tenir maison, non, mais je pense que c'est non je pense que c'est la non, mais les garçons qui disent ça, c'est qu'ils ont peur en fait, tu vois, ils sont peur. Tu as raison sur ce point là, mais je pense aussi que c'est ce qui est reflété aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, tout le monde, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que tout le monde se dit boss lady aujourd'hui, c'est un effet de mode. C'est la vérité. Aujourd'hui, les gens disent bon, je commence un petit chose, je suis directement boss lady. Non, je pense que bon, après, c'est vrai que le verbe entreprendre, c'est déjà quand tu fais déjà un échange, contre argent, des trucs comme c'est ça. Mais aujourd'hui, en fait, tout le monde se dit, j'avais mis même un statut, j'ai dit tout le monde se dit boss CEO. Lady, CEO par exemple, sur. Instagram et tout ça, mais les gens ne savent pas vraiment la définition de CEO, tu vois. Et donc, comme le gars il dit, il a dit quoi que les, en fait, beaucoup, je sais pas beaucoup, c'est aussi, mais on dit, tous ces boss, ils ne savent pas tenir une maison, elles savent pas, mais c'est pas vrai, c'est ce que les gens montrent sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, tout ce que les femmes montrent, là, si vous regardez bien celles qui se disent boss lady là sur les Instagram, les Facebook et tout ça, quand tu regardes, qu'est-ce qu'elles mettent plus en avant? Le matériel. Elles montrent pas comment faire le balai. Mais tu vois, moi je prends le principe que si tu ouvres un Instagram pour montrer, tu vends des choses, quoi, tu vends des mèches, tu vends, je sais pas quoi. Ton Instagram sera basé sur ça, c'est ça. Tu vois, à partir de Instagram, tu te programmes CEO, c'est vrai, tu as une compagnie, tu vends des trucs, tu vois un peu, tu vends quelque chose, tu vois. Donc si un garçon se promet de te juger juste par rapport à ça, tu il se m'en fait. Mais justement, là il y a un point comme ça, parce que tu dis que si elle fait son business, elle met. Mm-hmm. Si elle fait je ne sais pas quoi, elle met. Mais le problème aujourd'hui, c'est vrai, il y a certaines filles, voilà, qui vont mettre toute leur vie. Ouais, c'est vrai. Tu ne peux pas mélanger deux business. Ça va me mettre un autre débat. Mais tu ne peux pas mélanger deux business. Toi, tu en penses quoi, ton avis? Tout à l'heure, tu as dit, si quelqu'un vend, par exemple, quelqu'un qui peut vendre, je ne sais pas forcément dire qu'elle est indépendante. Ça veut pas forcément dire que c'est fin, elle ne dépend que d'elle-même. Et après, ce qui est mauvais, si je parle du contexte sur l'indépendante, c'est celle qui ne vit que de ses revenus à elle.
c'est ça en fait, mm-hmm. ce que beaucoup de filles en fait ont cette habitude de montrer même sur Snapchat. Oh, ouais. Tu vois, ça c'est que c'est moi qui ai acheté. Il n'y a pas le gars qui m'a acheté, on n'a pas besoin de savoir. On doit savoir ce qu'il fait. En fait, c'est ça qui chasse l'homme derrière vous. Parce que ça veut dire que vous voulez montrer à l'homme que n'a pas besoin de tester ça. Voilà. Je suppose que ce téléphone, c'est que tu as, c'est un qui a acheté. Ne mm-hmm. va pas sur Snapchat. Oh, j'ai acheté ça. Ce n'est pas mon père qui m'a acheté ça. Ce n'est pas ma mère qui m'a acheté mm-hmm. ça. C'est moi-même mm-hmm. qui travaille. On n'a pas besoin de savoir. Ça chasse l'homme déjà. La bienvenue m'a dit ok, donc ça veut dire que maman, tu n'as pas besoin de rien de personne. Je suis amenée de plus. Tu n'as pas quoi parce que tu veux montrer que tu travailles et voilà, tu vas acheter des choses à toi-même. Après, dans le contexte aussi indépendante, comme vous l'avez tout dit, il faut savoir donner la place à l'homme, sa place à lui. Mm-hmm. Même si je suppose qu'il n'a pas. Mm-hmm. Enfin, si peut-être tu as quelqu'un qui n'a pas et que tu as beaucoup plus. Mm-hmm. Ne lui montre même pas que tu as. Voilà. Dis-lui qu'on n'a pas. Apprends à dire à l'homme dans le langage dans le langage argent. Mm-hmm. Tu dis que s'il n'a pas, tu dis que ça veut dire qu'on n'a donc pas. Mm-hmm. Et puis, parce qu'il sait que peut-être tu dis que ouais, on avait dit qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas de quoi manger, on va faire comment? Il va dire que ok, j'ai réussi à me battre avec tel montant, on peut faire quoi de ça? Mm-hmm. Mais ne va pas dire alors que oh non, si tu n'as pas, ça va l'aise. Si tu n'as pas, ça va l'aise. Si tu n'as pas, ça va l'aise. Mm-hmm. Ça, c'est un truc qui est très mauvais. Ça très, très, très mauvais. Ça dis par exemple que si tu n'as pas, je vais gérer. Mm-hmm. Non seulement tu donnes la paresse, même un homme qui voulait me dire à s'occuper de toi, il va dire ok, il est mis pas quoi. Je m'assois, tu vas gérer. Madame va gérer. Il n'y a pas de souci. C'est ça que beaucoup de personnes font l'erreur. Beaucoup de femmes font l'erreur. Mm-hmm. Et tu sais quoi, je suis la première, je lève la main, je suis comme ça. Si le gars dit qu'il n'a même sans que tu lui dis, je sors l'argent, parce que j'ai l'habitude d'être un provider. Ma famille, juste comme ça. Je suis le provider, je suis la personne qui ramène l'argent sur la table. Mm-hmm. Ça, toujours été comme ça. Et du coup, j'ai du mal dans mes relations à laisser la place à l'homme. Mm-hmm. Tu as totalement raison. Ça, c'est une chose qu'il faut que je me mette en tête. Il n'a pas. Ok, on fait comment alors? On mange quoi? Mm-hmm. Voilà. On fait comment? On mange l'eau glacée. C'est quoi mon père? C'est comme ça qu'il va sortir, il va aller se battre, il va dire voilà 10 000. Mm-hmm. Tu as totalement raison. C'est donc ça, un homme qui est fainéant là. Il va dire bon. La femme là, elle amène tout le monde. Là, parce que les hommes de leur nature très égoïste, très protecteur, très je veux provoquer pour la femme. Parfois quand elle dit bon on fait comment alors, je vais mourir de faim, ça va pousser vraiment à aller dehors, à chercher, c'est vrai. Côté la femme indépendante, comment elle est vue par la société, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça, comment est-ce qu'elle est vue par la société? Comment elle est vue par la société en fait? Je dirais, si on parle du Cameroun, je dirais que c'est limite pas mal vu, mais c'est comme si en gros, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on est trop arriéré au Cameroun, surtout les hommes, t'as l'impression qu'ils veulent la femme, la mettre dans la maison, et elle s'assoit, elle ne fait plus rien. Mm-hmm. Donc tu l'as trouvé, comme tu as dit tout à l'heure, je sais plus qui a dit ça, elle avait son business avant, elle doit laisser, elle va s'asseoir ici, elle va seulement faire les enfants, pour. Mais c'est pas ça le but, mm-hmm. tu vois, non, tu me trouves, je continue ce que je faisais, je peux même faire ça part-time, temps partiel, et après maintenant je continue, en même temps, on fait notre truc. C'est vrai. Mais les hommes ici, j'ai l'impression que si tu te débrouilles déjà trop, il veut seulement quelqu'un qui va seulement dépendre de lui. Et quand tu dépends de lui, alors, c'est là, parce qu'en soi, tu vois, ça c'est à cause de moi, tu vois, ça c'est grâce à moi, moi c'est ça que je déteste, en pensant ça, parfois, c'est moi-même qui sors là. Parce que même pas demain tu sors, tu te dis wow, si tu es là, la présienne là, c'est à cause de moi, c'est grâce à moi. Je pense que ce genre de couple, c'était plus au temps de nos parents. Parce que peut-être avoir l'argent, c'est vrai aussi. Il va se dire ça ne sert à rien que tu travailles, je ramène toi à la maison. Mm-hmm. Mais maintenant, les couples d'aujourd'hui, ce sera très difficile de voir un jeune qui va épouser quelqu'un de son âge, 28, 29, 30 ans, qui va dire oh, assieds-toi à la maison, je vais te ramener. C'est vrai, parce que les temps changés, c'est beaucoup plus au temps de nos parents que tu vas voir j'ai déjà beaucoup d'argent, ça ne sert à rien parce que tu ramènes 100 000, que j'arrive à ramener 1 million. Ça sert à rien d'aller te casser le corps, c'est mieux que tu restes à la maison t'occuper. Oui, et c'est beaucoup plus aussi parce que même maintenant, les jeunes filles aussi... elles ont compris ça. Non, même pas qu'elles ont compris, c'est que parce que justement elles se mettent à travailler, elles vont prendre ça comme prétexte pour ne pas s'occuper de la maison. Mm-hmm. Mm-hmm. Je sors le matin, je rentre aussi tard. Je sors machin. C'est pas elle qui va parler de son mari. Mm-hmm. Même si tu es une ménagère ou un cuisinier, il y a des dimanches ou des samedis où voilà, c'est toi qui t'occupe de ton mari. Mais après, on prend ça comme excuse. Non, pardon, nous tous on sort ensemble, je suis fatiguée comme toi. Pardon, prends aussi l'enfant. Elle oublie en fait le rôle de mm-hmm. femme et de maman à la maison. Mm-hmm. Parce que, non, pardon, on sort ensemble. Non, je suis fatiguée. Comme tu me portais l'enfant là, comme tu parles avec la scène là. Alors que c'est pas ça. Après, que chacun connaisse. Le problème, c'est que. On oublie beaucoup plus nos places dans la société, dans la vie. On est dépendant tout. On oublie que voilà, la femme doit faire ça, elle doit être soumise.
voilà, l'homme aussi, il doit faire ceci, il doit faire cela. Chacun sa place. Quoi. Voilà. C'est vrai, parce que, comme Stéphanie disait, de nos jours, les hommes disent beaucoup, beaucoup que dans une relation, si tu as juste ton corps à offrir, ou à bring a table, les gens disent, I don't want you. Exactement. You don't want me. Like, I don't want like. Et là, comme elle disait, une femme africaine peut être soumise, obéir à son mari, être respectueuse. Voilà les critères que vraiment, quand un homme veut marier une femme, c'est ça qu'il regarde, tu vois. Maintenant, quand tu es une femme, parce que tu as, peut-être que tu as plus que l'homme, tu le cries sur tous les toits. Tu le cries sur tout le toit. Imagine quand le jour où, au jour où l'homme aura l'argent que tu as, il aura plus, qu'on va te traiter, tu vois un peu. Il te fera la même chose que tu as en train de le faire. Et tu iras te plaindre chez tes parents. Parce que les hommes n'oublient pas. Les hommes, l'homme n'oublie pas. L'homme est capable d'attendre 10 ans pour se vendre. Quand on veut quelque chose, quand on pose les hommes que quand ils voient une fille bien jouée, ils disent que non, ça va, je vais attendre. L'homme est capable d'attendre 5 ans ou 10 ans qu'il veut quelque chose. Mais quand il va vouloir te faire du mal, maman, forcément mourir. Je pense que la femme indépendante aujourd'hui, elle est quand même respectée. Elle est respectée. Si on regarde le mouvement, en fait, je parle du mouvement qui est en train de se passer maintenant en 2017, on passe en 2018. Respectée par qui? Non, je veux dire, les gens aujourd'hui, en tout cas, moral, moi, de ce que je vois maintenant, les gens, même tu les vois sur les statuts Facebook, franchement. Les femmes là qui se lèvent et qui vont chercher, qui ne demandent pas le truc d'un homme. Maintenant, les gens, les hommes en fait réalisent le côté que non, aujourd'hui il y a trop de filles qui veulent dépendre des hommes, qui pour elles c'est la facilité, je suis belle, je prends l'argent, voilà, tu vois. Aujourd'hui c'est beaucoup, ça a toujours été depuis longtemps, mais je veux dire, les hommes aujourd'hui en ont marre aussi. C'est l'homme chiche qui pense comme ça. Tu penses? Oui, parce que comme j'ai vu sur Twitter une fois, quelqu'un dit, si tu dis qu'une fille a fini ton argent, c'est que tu n'avais pas l'argent. Ah, j'ai vu ça aussi. Et là, moi j'ai accepté parce que si tu dis que tu as aimé quelqu'un, c'est-à-dire que toi tu peux aimer tu aimes quelqu'un, tu aimes ton copain, tu sais que ok, non, il a l'argent, il a l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Tu ne donnes pas parce que tu veux montrer que tu as. C'est par amour, il y a tout qu'on fait par amour. Donc quand un homme te donne, qui ne dise pas que oh, je donne pour ça, mais c'est moi pour s'asseoir, c'est que tu ne l'aimes pas. Tu dois parler à ta femme, tu lui dis que non, c'est pas parce que je te donne que il faut que tu restes à la maison à ne rien faire. Il faut aussi que voilà, on a les factures à gérer, il y a ceci à gérer. J'aimerais bien que tu fasses ceci. C'est si je te rends compte que en fait, même le fait que tu lui aies dit ça, il ne change pas. Je comprends que c'est ce genre de femme. Il y a des femmes. Mais tu parles de couple. Là, c'est, tu parles en tant que couple, genre les gens habitent ensemble. Non, je parle même tu peux avoir un gars peut avoir une copine, tu vois. Oui. Une meuf, voilà, ça dure 6 mois et on s'en fout. Là, c'est très différent quand tu as une copine comme ça, elle est de loin, vous habitez chacun dans votre appart, dans votre chez vous. Là. Je ne suis pas non, même quand vous vivez à part. Je suppose qu'à notre âge, tu ne dites plus pour couper dans 6 mois. Mais ça dépend de la mentalité des gens. Parce que comme tu dis, l'homme dit il est peut-être chiche quand je suis comme ça. Non, un homme peut d'abord aussi observer au départ et analyser. S'il voit que la femme, elle est là seulement pour. Parce que le gars peut donner parce qu'il compte. Voilà, il va savoir que. Mais à maintenant, il y a ce genre de femmes déjà à la base qui sont là pour l'argent. Il y a ce genre d'hommes aussi qui sont là pour l'argent. Ça va dans les deux sens. Il faut savoir que quand un homme, comme tu disais, il clappe pour une fille qui est indépendante, pas forcément indépendante, qui connaît chercher l'argent, c'est beaucoup plus aussi. Si demain je ne suis pas là, si demain je suis là, elle pourra s'occuper de mes enfants, elle pourra s'occuper de mes biens, elle pourra faire un peu. Moi, il regarde ça. Mais si tu as juste une femme qui est juste assise, belle. Maintenant, ça dépend maintenant que si l'homme a dit que assieds-toi là, c'est différent. Si la femme naturelle, elle est paresseuse, c'est deux mondes différents. Tu même quand on est copain, copine et vous habitez à distance, tu vas savoir, tu sais, ça se sent sur le dos. Non, le gars, c'est seulement là pour mon argent, la fille, c'est seulement là pour moi. C'est dès le départ, tu vas sentir que non, on va pas aller ensemble parce que voilà, il me fait rien de spécial. C'est dès le départ, tu vas savoir. Mais moi, déjà, quand si moi là, c'est que si je date, quand un gars et une fille sont ensemble, tu vois un peu, non. Il y a certaines filles que quand elles ont putain, c'est même leur portefeuille. Ça, c'est la il y a les limites. Il y a leur portefeuille. Il y a les limites. Donc, gros, je peux comprendre que quand vous sortez, il paye. Il doit le faire. Quand vous partez en voyage, il peut peut-être payer 75%, tu payes 25%. Mais à lui payer ton huile.
ton savon, ton caleçon, ta partouche, ta claquette, mon frère. Qui peut donc payer tes mèches ou ta coiffure ou c'est pas un habit de soirée? Mais ça, je pense que ça dépend. Il y a des limites, tu vois. Moi, je sais, là, c'est une question d'éducation parce que pour moi, ma mère. C'est même pas que l'éducation. Il y a l'éducation, c'est les fréquentations. Si ta mère t'a appris depuis le bas âge, en grandissant, que non, c'est l'éducation. Non, c'est l'éducation. Non, pour moi, c'est ton éducation. Tu as vu que ta maman ou ton papa, peu importe, qu'on t'a montré que non, tu dois te lever pour chercher, que c'est comme ça, crois-moi que ça va être en train de toi. Maintenant, si tu regardes les filles qui font justement les choses, là, comme tu dis là, demander, regarde bien le milieu des femmes doyennes. Regarde bien le milieu doyennes. Mais ce genre de ce que vous appelez influence, moi je ne crois pas parce que je n'aime pas l'un qui est juste comme excuse aux telles personnes influencées. Voilà. Tu t'es laissé influencer, tu as voulu. Voilà. Oui, non, mais c'est toujours l'instant aussi. Tu vas voir que non, tu es dangereux. Ça veut dire que dans ta tête, tu n'as rien à te prendre. Oui, tu n'as pas de garantie, tu vas sauter. Si ton ami est en train de voler, et je te mets en voleur, je dis c'est parce qu'il marche avec un voleur. Non, non, non. Ça, ça, à partir d'un certain âge. Voilà, tu avais ça dans la tête. C'est la facilité, les filles qui font ça, c'est la facilité. Tu es flemmard, tu ne veux pas bouger, tu ne veux rien faire. Tu veux t'asseoir comme ça, avoir la belle vie des stars que tu vois dehors. Là, voilà. Sans absolument rien. Mais Tiffany, ce que je disais que quand tu vois des filles, en fait, les filles qui demandent beaucoup à leurs copains et tout, ça dépend parce que je me disais, j'avais des filles riches, je dis que dans la maison, les parents ont bien, elles ont de l'argent, mais... C'est l'éducation, si ta mère te répète tous les jours que non, quand tu as l'homme là, tu as tout t'acheter, ça dépend de l'éducation qu'on te donne. Tu sais, on peut te dire, une mère peut dire à sa fille, ma chérie, quand tu vas choper l'homme là, écoute bien, peu importe que tu sois âgée, quoi, une mère conseille toujours à son enfant, elle va te dire, l'homme là, tout ce que tu prends là, demande lui. Moi j'ai vu des mères faire ça, hein. Elles disent non, l'homme il doit tout acheter. Ça dépend d'une éducation à une autre. Ça dépend vraiment. Les femmes qui font ça, moi d'abord ça m'énerve parce qu'elles sont en quelque sorte, elles font que les femmes comme nous soyons mal vues après. Parce que le regard d'eux, elles sont là comme ça. Après, il y a certains hommes qui nous catégorisent. Il y a des gens qui nous catégorisent tous dans le même sac. Il y a des gens qu'il va être tellement in love avec la gueule là, elle va tellement tout le foirer. Et dehors, demain, il va se réveiller, il va être un bad boy. Après, on va dire que ouais, regarde encore un connard, salaud. Mais est-ce qu'il s'est levé, salaud? Et c'est parce qu'une fille comme ça. Non, c'est vrai, non, personne ne dit salaud. C'est les expériences de la vie qui vous transforment, qui vous aide. Moi, je trouve que l'homme est bon. Exactement. Mais à cause des espérances de la vie, il devient comme ça. Donc si vous trouvez quelqu'un qui n'est pas bien, c'est pas qu'il s'est levé, il est devenu bad boy, oh, il veut coucher avec toutes les filles. Là, on a pu passer avant qu'il a brisé le cœur. Non, c'est vrai. Moi, j'ai des amis, les filles là autour de dehors, tout le monde a qu'il m'attend. Toi-même, tu vas chercher qui comme ça. Il y a des gâches. Je te dis, Il y a des gars en plus qui disent que il t'appelle, il t'invite à un rendez-vous. Il arrive au rendez-vous, mais tu peux me dire, tu es malade. Peut-être coucher chez moi, tu m'as fait quand on sort. Je me sens bien, je suis maquillée, je m'assois, je me coiffe, je me fais ma tâche. Mais ça, c'est quoi? Franchement, je sais pas si ça avait déjà arrivé une situation, mais moi, franchement, je pense que ça se passe comme ça. Franchement, je suis tellement fière. Moi, je sors l'argent. Je paye même pour toi. Je me lève, je pars. Je ne décroche plus. Je te jure. Après, je ne dis pas ça. Ça arrive de payer pour les personnes. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est le gars qui doit payer? Non, mais je pense que ça, c'est une question de mentalité de chez nous. Chez nous, les Africains, l'homme est censé payer, tu vois. Si tu regardais là-bas, c'est l'homme qui est censé gérer. Vous parlez d'où au Cameroun ou en Europe? Parce que vous avez parlé de l'Europe. Non, moi, je parle de la mentalité africaine. Les Africains, la diaspora africaine qui est là-bas, tu vois, ils pensent encore à ça. Je dis, même en Europe, tu vois, même les blancs, quand tu comptes eux, si je suis couché chez moi, c'est toi qui me lèves. Tu prends, tu tailles mon numéro. Oh, y'a, tu m'appelles. Je me lève, je m'habille, je me maquille. Oh, peur que tout le monde, si j'arrive, je te dis.
on soit obligé que je paye. Allô, ma. C'est vrai. Peut-être que chez moi, tu m'as. En plus, on s'arrange. On flirte. En plus, dis combien Ingrid. Bon, si on sort déjà ensemble, ok, on peut bien. Non, on parle du premier rendez-vous. Non, mon gars, tu me déplaces, tu payes. Non, tu me déplaces, tu payes. Pour moi, dans ma doctrine, moi, pour moi, c'est l'homme paye. Moi, je suis d'accord. En général. Non, moi, je suis d'accord. Je ne dis pas que je vais payer, mais je veux dire. Ça m'arrivait de payer parce que c'était dans les amis, des trucs comme ça, mais en général, moi, dans ma tête, c'est l'homme doit payer. Pourquoi? Parce que c'est une question de galanterie en fait. Je vois que ça dans la tête. Je suis d'accord avec toi, mais moi, j'ai juste qu'il y a des gens dehors qui ne payent pas. Et puis, c'est que moi, je suis trop devenue, pas indépendante, mais le genre de truc que. T'as tellement de fierté que tu veux dire, mais toi, tu veux sortir l'argent toi aussi. Non plus, moi, les gens, comme. Et tu sors d'annonce à l'argent. Non, voilà. Tu vois un peu. Voilà. Et toi-même, tu prends les plats que tu ne prends même pas. J'ai les gens, mais attendez, faut qu'on dise ça. C'est vrai. Ma chérie, le menu si est. Toi-même, tu ne vas jamais lire le nom. Tu n'arrives pas à lire le nom. Il y a des choses que dans le restaurant, si toi-même, tu ne manges jamais. Non, mais parce que tu arrives au gars, c'est ça que tu veux prendre. C'est comme ça qu'on lève la fille. La fille sur Paris qui était partie commander un truc que elle a commandé, cher, que le gars dit qu'il ne paye pas. Alors. Parce que elle insultait le gars, que le gars est pauvre, c'est le gars des chichets, parce que ça veut dire c'est quoi que chichet, oh que tu sais quoi. Tu veux le restaurant ou pas, encore un peu une ressort ça sur le. Sur le tu vois un peu non. Ils sont gros. Le gars, elle a commandé et elle a pris les trucs chers. Le gars a commandé les trucs chers. Le cas est arrivé que bon, parce que ce que j'ai mangé au serveur, je paye ça là. La go, en fait, c'est sans rien sur elle. Elle a pas pour une fille, pour une bordée de Paris. Le cas l'a affiché, mon frère. Ouais, je me rappelle, mais c'était il y a pas longtemps. Ça me dépasse. Tu ne peux pas. Tu sors sans argent que quoi. On a déjà une envie, moi, on ne sait jamais. Ou le pire. Le pire, tu payes l'eau. Pas tout l'aspect, il a pas. Déjà, il y a des filles comme ça là. Tu peux le quoi. D'autres, on t'a envie, tu as envie ta copine. Je sais qu'on s'est loin. Moi, le gars, on a le one. Moi, le gars, non, il dit que. Commander. Je vais pour un rendez-vous d'affaires. Ah mais voilà, on avait fait le meet and greet avec Ingrid. Voilà. Donc, une des personnes qui avait fait un de mes logos, un de mes projets, j'avais invité pour venir au meet and greet. Il est venu avec ses gens. D'accord. Mm-hmm. Là, le couple me pose, je vais te présenter quelqu'un et tout pour. Voilà, il veut te parler d'un projet. Puis c'est... Moi, je suis toutouille, moi, il n'y a pas de souci. Le gars, il vient me dire, voilà, je vais te parler de la beauté. Blablabla. Le gars, il parle, je regarde, tu sais, les Camerounais, ils sont toujours bien, regarde. Je te jure. Donc, je l'écoute et tout. Le gars, on se donne rendez-vous, je crois, dans la semaine. Le gars dit ma képé. Moi, je suis avec Paul. Bon, je me dis, bon, moi, je connais pas bien encore tous les endroits, je ne peux pas me déplacer jusque. Je dis, bon, le pop. J'ai oublié qu'il y a des enfants. Je lui dis, mais c'est vite fait, tu peux même prendre un coca, on discute vite fait, qu'il m'explique le plan. Je te jure. J'arrive à l'époque. Ouais, qu'est-ce que tu vas. Tu veux manger ou pas? Elle dit, moi, je crois que tu es un burger, je connais pas. Là, je dis, regarde la carte, tu vois. Il prend les frites. Et il a pris les frites. Finalement, on a pris des frites. Je prends les frites de ma petite boisson. Là, on s'assoit. On parle, il me parle de sa chose. On a fini. La caissière vient. La serveuse vient. Attends, je me rappelle même bien. C'était 2000 francs. C'était 2000 francs. C'était pas cher, 2000 francs. Moi, j'ai déjà l'argent, hein, mais bon. Regarde, c'est bon, restez comme ça. Je regarde comme ça. 2000 francs. C'est combien? 2000 francs. Non, d'abord, elle a laissé la facture. Je regarde seulement comme ça. Oh, le gars, il ne veut même pas toucher le papier. Ouais, ça veut... ouais, c'est combien 2000 francs? Il dit. C'est tout ce qu'on a. Il dit. Nous, on a mangé tout ça comme ça. Or qu'il n'y avait rien. Tu vois, j'ai dit le gars comme ça. J'ai dit, c'est combien? Il a mis 2000 francs. Le gars, même pas faire semblant de oublier ses poches. J'ai pris toujours la sorte de ça que j'ai mis.
tu as payé pour vous deux. Oui. Elle a le choix, là, comment. Non. Mais là, non, le gars, pourtant tu parles. Mais, ça veut, c'est pas, mais le plus, c'est pas ça. Mais là, comment je l'ai coincé. Je crois qu'il va j'avais qu'un billet de 10 000. Il fallait la monnaie, ou tu connais le problème du pays. Vas-y, avec moi. Tu as 100 francs. Tu as 100 francs. Tu sais comment c'est simple ça. Vous avez 100 francs. Est-ce que c'est 100 francs. Plus ce jour-là. C'est bête, mais c'est un rendez-vous professionnel. Comment tu aurais pu me faire semblant. Même si on payait moitié-moitié. Oui. À ce moment-là, pour moi, c'était normal. Oui, quand tu me déranges tous les jours, tu es en train de me texter pour me parler d'un truc qui m'a même pas intéressé. Au final, après, me commencer à. En plus, c'est toi qui me ramène un projet, donc c'est le moment à toi de m'inviter. C'est un business meet, ça, c'est un meeting. Tu as fait beaucoup de temps pour moi. On s'en occupe, moi, t'es laisse là-bas. Moi, je suis trop fière. Moi, les trucs comme ça, je suis trop fière. Je suis plus trop fière. Les trucs, je laisse pas passer. Après, je ne travaille plus jamais avec toi. Tu me regardes plus, j'essaie de faire. Mais maintenant, prends la boisson. Il a pris la fruit, je prends juste la boisson. Tu sais que tu n'as rien, c'est toi. Et il est pas un hamburger. Non, c'est vrai, ils avaient pas l'hamburger, ils avaient pas, ils avaient plus l'hamburger ou que c'est, donc c'est là on a plus pris. Et qui a le meilleur avocat? Toi, qui a le meilleur avocat? Non, ils parlaient pas les gens parce qu'il y avait pas, ils avaient plus dans les mains. Moi je dis quoi, les Camerounais c'est comme ça, non je connais pas les Camerounais comme ça, les Camerounais font ça, les Camerounais aiment trop l'argent, ils aiment trop montrer que... Et te dis, pas tous, pas tous, trompe-toi ma copine. Sérieux? Merci à vous d'être venus déjà. Merci à toi. N'oubliez pas de check leur chaîne YouTube. Je vais mettre ça ici, quelque part ici, quelque part ici, quelque part ici. Oula, 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 oula. On sait jamais où ça rentre avec les Donc abonnez-vous, make-up, lifestyle, adjet, story time, développement de l'Afrique. Moi, développement de l'Afrique. Lookbook, haul. Un conseil sur la vie aussi. Ah bon, voilà, Tiffany, c'est Stéphanie, c'est un vlog. Tu as fait quoi sur YouTube? Non, j'arrête. Tu arrêtes. Elle a c'est fini. Pour mercredi. Donc, comme je dis toujours, me liker, partager, commenter. Vous avez des sujets qu'on voulait qu'on discute, vous voulez qu'on discute. Mais quand même. En bas. Ça, des questions, mettez en bas, on va répondre et tout. Faut que je te fasse la force. On te connaît là pour ceux qui te rendent dans les vidéos. C'est pour ça qu'on te connaît déjà. Pourquoi je voulais les calmes comme ça alors? C'est quoi? Elle fait toujours calme comme ça. Stéphanie est calme de nature. Quand même, elle parle. Elle parle pas à quelque chose à dire. Elle parle pour rien. C'est vrai, elle parlait pas pour rien. Elle a dit on est d'accord, DJ, avec elle. On est d'accord, DJ. Elle a tout dit. Non. Donc, thank you so much for watching. Like, share, subscribe. Non, parce que je vais dire à la chaîne. On va catch you guys on my next one. Bam! Bam! Bam!